Et salut tous, c'est Noignos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Texit. Alors il s'est passé encore des choses en off, hein, je vous le cache pas, des choses que je vous avais, enfin je vous avais, bon, oula, des choses desquelles je vous avais prévenu, des choses dont je vous avais déjà parlé, et des choses qui n'étaient pas prévues mais que j'ai quand même fait. Et vous allez voir, je vais tout vous montrer. Alors, première chose, j'ai vidé l'aquarium, bon ça normal. J'ai amélioré les panneaux solaires. Alors, il y a certains panneaux solaires effectivement que j'ai amélioré. Donc, maintenant, au lieu d'avoir que des advanced, on a pas mal d'hybrides avec. Donc, qui sont bien mieux. Ensuite, le mass fabricator a commencé à fabriquer de la UU Matter. Donc, alors, attendez. Parce que là, c'est pas tout ce qu'il a fabriqué. Hein. Vous voyez peut-être, depuis la mise à jour, il y a écrit la journée à droite, là, en dessous de la carte. Je sais pas si... Non, ça grossit pas le texte. Mais il y a écrit jour 207. Et aux épisodes précédents, je sais plus à quel jour on était, mais bref, ça fait pas mal de temps, j'ai laissé un peu le jeu tourner. Ensuite. Ah oui, en utilisant l'extracteur sur la résine, ça donne 3 caoutchoucs plutôt qu'un. Donc ça, par exemple, avant je le faisais cuire directement, hop. Et maintenant, quand je mets dans l'extracteur, hop, 3 résines d'un coup. Enfin, 3 rubber d'un coup. Donc, beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Ensuite, ah, oui. Alors là, c'est le plus gros, c'est le truc qui m'a pris le plus de temps, je pense. Alors là, vous voyez, j'ai un nouveau coffre. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer comment ça marche. Déjà, je fais mes récoltes, normal. Je prends mon blé, hop. J'ai tout pris, oui, j'ai tout pris. Ensuite, je prends ma betterave, j'allais dire ma rhubarbe, mais c'est pas du tout la même chose. Mes patates, mes carottes. Bon, alors ça marche pas avec le barley, hein, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Je prends ma pastèque, ma citrouille. Hop. Bon, là du coup, j'ai tout pris. Voilà. Et plutôt que de crafter mes plants de bowl à la main, eh ben, je vais tout mettre là-dedans. Faire clac, clac, clac. Hop, hop, et hop. Bon. Hop. Je vais descendre d'un étage. Et regardez ça. Alors, je profite vite fait pour changer le côté de ma souris parce que je jouais un autre jeu tout à l'heure et du coup il me fallait l'autre côté de souris. Donc hop. Voilà. Donc il y a tout qui arrive là, qui va dans les tables de craft. Là, par exemple, ça va là. Ensuite, comme vous pouvez le voir en haut, il y a une recette. Et ça a fait des plants de bowl. Ça va directement crafter les plants de bowl et les mettre dans ce coffre. Et là, c'est pour les pastèques et les citrouilles, parce que vous savez, il faut d'abord transformer les citrouilles en graines et les pastèques aussi en graines pour pouvoir ensuite faire des plants de bowl avec. Et du coup, maintenant, j'ai plus à m'embêter à tout crafter à la main. Je mets tout dans le coffre, c'est pompé, et hop, ça me fait mes plants de bowl. C'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide. Non, peut-être pas beaucoup plus rapide, mais ça me permet de faire d'autres trucs en même temps, donc c'est quand même un gain de temps. On va récolter ça vite fait, j'ai vu ça. Ensuite, il y avait un dernier truc que je voulais vous montrer. Ah oui, les interdiction torches. Ça, je savais pas à quoi ça servait, donc je me suis renseigné un peu. On va utiliser Ami pour vous montrer. Ami, ça va être un peu le cobaye. Regardez, mettons un monstre m'attaque. Je pose une torche. Ça l'éloigne. C'est super, parce que ça permet de protéger des zones. Voilà, Ami est très gentil, il nous a servi de cobaye. Pour le récompenser, on va lui faire un petit jouet. Voilà. Ça lui fera plaisir. On va prendre 8 vitres et on va lui faire une petite balle de hamster. Et voilà. Je trouve ça trop drôle. J'avais oublié de le faire en fait dans l'épisode précédent. Et là, je peux récupérer la balle ou lui remettre. Oh, ça permet de voir à travers les coffres. Attends, est-ce que ça peut permettre de voir à travers le sol? Non, c'est juste les coffres. Bon, on va pas tout le temps lui laisser parce que j'ai peur qu'il s'échappe avec. Donc hop, là je vais l'asseoir et je vais lui mettre avec les jouets. Et pour la compenser, on va aussi lui donner un peu de graines. Merci. Allez, on continue.
Donc, où en étions-nous? Alors, ah oui, j'ai plein de projets. Donc, on va commencer par quoi? Ah oui, j'ai prévu de faire un solar helmet. Donc là, vous voyez, j'ai un panneau solaire en rab. Hop, je vais juste remettre ça dans son tableau. J'ai un panneau solaire en rab. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec ce panneau solaire? On va faire ceci. Voilà. Donc, ça va me permettre de recharger mon armure juste en me baladant dehors. Donc, pratique. Très pratique. On va mettre ça, genre là. Clac. Alors, comment ça se crame? Ah oui, mais non, mais je suis con. Je suis con. Parce que pour faire ce truc-là, il me faut un quantum suit helmet. Donc, il faut d'abord faire ça. Donc, il nous faut un lapotron cristal. Donc déjà, on va prendre un diamant. Alors, j'ai agrandi quelques coffres. Hein. Ils commencent à dépasser de l'écran tellement ils sont grands, mais bon, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, ensuite, on va chercher les circuits. On va faire le lapotron cristal. Donc, hop, hop, hop. Hop et hop. Un lapotron cristal. Ok. Donc ensuite, c'est au milieu, puis. Ok. Au milieu, il faut une vitre un peu. Il faut une vitre renforcée. Ça, j'en ai en rab. J'en ai recrafté. Donc ça, c'était en bas. Ensuite, il nous faut le casque. Je l'ai déjà. Des advanced circuits. Donc, on va prendre deux circuits. Hop. On va prendre 8 redstone. Alors, 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Oui, comme vous pouvez le voir, ici aussi, j'ai pas mal agrandi. D'ailleurs, j'ai parlé au gars qui fait le mod pack au sujet des bugs que j'ai rencontrés. Pour le sabre, je peux l'éteindre maintenant. Donc, c'est-à-dire pour l'allumer, je fais juste clic droit. Et pour l'éteindre, je maintiens haut et je refais clic droit. Voilà. Ensuite, pour le four, il m'a dit qu'il regarderait ce qui se passe. Donc, il n'y a qu'à attendre. Apparemment, l'update est déjà en cours de pas de développement de bah si de développement plus ou moins. Je sais pas si c'est vraiment du développement. Alors il me faut 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, il va me falloir 8 trucs comme ça. Tac. Et encore un. Il va falloir 2 diamants. 2 diamants. Et il va me falloir pas mal d'iridium. Je sais pas si je vais avoir assez. Je sais pas si je vais avoir assez, j'espère que oui. Hop. Donc on fait un i en i. Oui, si j'aurai assez. Voilà, vous faites un i en you who matter. Et. Ça vous fait de l'iridium. Donc, ensuite, alors attendez. Ouais, ça c'est dans les coins. Ok. Tac, 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 tac. Hop. Et hop. Tac, tac. Voilà. Ok. Donc ensuite, je place ça sur les côtés. J'enlève mon casque. Et je le mets au-dessus. Et paf! On a un Quantum Suit Helmet. Qui est beaucoup mieux. Regardez comment j'ai la classe. Ensuite. Il faudra le mettre au milieu. Il faudra mettre le Hybrid Solar Panel au-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Deux circuits avancés. Et du glass fiber. Enfin, du fibre. De la fibre optique. Il me faut deux fibres optiques. J'ai plus de fibre optique? Comment on fait la fibre optique? J'ai oublié. Voyons voir. Un diamant, deux silver et du vert. Un diamant, deux silver. C'est où le silver? Il est là. Et du vert. Il me faut 6 verres. Hop. 1, 2, 3. Hop. Donc les 6 verres. Hop, hop.
Et hop, voilà, donc on a les fibres optiques. Il faudra aussi réactiver la quarry d'ailleurs, donc j'y pense. Hop. Les circuits sur les côtés, ok. Mais il faut que je les améliore. Donc il me refaut ça. 1, 2, 3, 4. Hop. Hop, 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 hop. Hop. 1, 2, 3, 4. Ok. Ah, excusez-moi, je vais peut-être un peu vite, mais bon, remarque, vous devez suivre relativement simplement. C'est des choses qu'on a déjà fait, qu'on a pas mal déjà fait. On a les circuits avancés. Donc, les circuits avancés se mettent sur les côtés. Il manque le transformateur. High voltage transformer. Il me faut un medium voltage transformer. Donc, il me faut un machine block et deux câbles d'or. Un machine block, du coup, il nous faut de l'acier. Hop, hop, hop. Hop. Et deux câbles d'or. Alors. Deux câbles en or. Parfait. Alors oui, le four à induction, d'ailleurs, vous rappelez. Enfin, je sais pas si je vous l'avais dit, mais il marche sur certaines recettes. J'ai l'impression en fait que c'est juste les recettes de Vanilla qui ne marchent pas. De Minecraft Vanilla. Donc bon. Voilà. Hop. Un transformateur medium voltage. Et ensuite, il nous faut un énergie cristal, un circuit électronique. Un circuit électronique. Un énergie cristal. Hop. Hop. Et il nous faudra des câbles. Des câbles en étain, je crois que c'était. Non, c'était pas en étain. Ça devait pas être ça, l'étain, c'est trop facile. Des câbles en quoi? High voltage cable, d'accord, mais c'est fait comment? En acier, tout simplement, d'accord, pourquoi pas. Hop. J'ai prévu à l'avance les choses. Hop et hop. Ensuite, on va prendre du rubber. On fait les câbles. Il nous en faut deux, je crois. Donc, 1, 2, 3. Hein, c'est 3? Enfin, c'est. Ah ouais. Voilà. Ensuite. Tac. 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 C'est bon? C'est bon. Ok. Ensuite. Ça se met là. J'enlève ça. Et je mets ça au milieu. Et paf! J'ai un casque avec un panneau solaire dessus. Donc là, normalement, si je me tiens au soleil, ça charge. Mon casque se charge tout seul. Et ça, je pense que ça se chargera après. J'ose espérer. Bon, sinon, c'est pas hyper grave. On va vite fait. On va vite fait. Ah oui, mais je sais pas si ça va marcher. Bon, on va essayer. On va vite fait. Hop, hop, hop. Ah oui, j'ai aussi cette comment ça s'appelle? Clé à molette. Cette clé à molette, je l'ai craftée pour ça sert à rediriger les tuyaux comme ça. Donc c'était pour cette machine-là que je l'ai fait. Voilà. Donc on va vite fait. Donc disais-je ralimenter la quarry. Ah, j'ai pris la porte. Littéralement. Ça m'embête un peu en fait de me servir ici. Mais bon, j'ai pas vraiment le choix. J'en prends 4. Vous savez quoi? J'en crafterai sûrement d'autres plus tard. De toute façon. Et je vais les mettre à la quarry. Hop! Je me suis aussi un peu renseigné sur Mine Colonies. Ça a l'air intéressant. Mais il va nous falloir une grosse zone où prévoir ça. Donc je sais pas encore où le faire, vu qu'apparemment ça prend 16 chunks par 16 chunks, si je dis pas de bêtises. Donc c'est très très gros. Ah, c'est tellement satisfaisant comme truc. Hop là! Ah, c'est bien, il y a de l'eau en plus. Donc ça va. S'il y a de la lave, ça va miner automatiquement. Mais c'est tellement rapide en fait. Regardez ça! C'est trop bien, j'adore. Oh là 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 là.
Bon. Nickel, nickel. Donc on a réactivé la quarry. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ensuite? Est-ce qu'on a de quoi? Non, je crois pas qu'on ait de quoi. Je me demandais en fait si on avait de quoi faire un Ultimate Solar Panel. Parce que ça serait vraiment bien. Mais je crois pas qu'on ait de quoi le faire. Laissez-moi regarder. Non, on n'en a que 4, c'est pas suffisant. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Déjà. Le Solar Helmet, c'est fait. Ensuite, je voulais améliorer mon charge pad, c'est vrai. Donc, charge pad. Ah, il y a mon jetpack qui s'allume automatiquement. L'apotronic charge pad, voyons voir. Oh non, faut que je recrafte une MFSU. C'est chiant. Vous savez quoi, ça je le ferai en off. Je le ferai en off parce que ça va être chiant sinon à regarder. Donc, faire de la cuisine, améliorer la drill, faire des donjons. Ok. Et ben vous savez quoi? On va faire de la cuisine. On va faire de la cuisine. Voilà. Alors. On va. Non, c'est pas comme ça que ça s'écrit. Merde. On va crafter des objets qui permettent de faire de la cuisine. Tout simplement. Parce que je me dis ça peut être sympa. Hop. Alors, est-ce que je peux cuire ça là? Non, c'est une recette de vanilla. Il veut pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va prendre encore un peu. Hop. On va laisser deux. On va faire cuire ça. Merde. Quel con. Hop. Ah oui, là, j'avais crafté du verre. Il me semble que j'ai oublié de vous dire des trucs. Enfin, de faire des trucs. Ah oui, je voulais faire une ferme à graines. C'est vrai, c'est vrai. La ferme à graines. Alors ça va être un peu compliqué. C'est ça, c'est cette machine-là qu'il faut qu'on crafte. Ok. Alors on va faire ça pendant que ça cuit. Donc déjà, il nous faut. Attends, attendez. Ça. Je me pose une question en fait. Parce que là, je vois plastique. Et je me demande si je peux le remplacer par du rubber ou pas. Je crois pas. Comment ça se fait ça? Avec des dry rubber, ouais. Comment ça se fait ça? Tiny dry rubber, ok. Machine output. Latex processing unit, ok. Je crois qu'il va nous falloir ce truc-là. Mais pour ça, il faut l'améliorer. Oh, je sais plus comment on fait. J'avais suivi un tuto à l'époque pour le faire et je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. On va déjà faire de la cuisine un peu. Hop. Il va me falloir des bâtons. Hop. Voilà, saucepan. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Douceur, il me semble qu'il y avait ça. Ouais. Alors, il me faut de la pierre et une pressure plate. Hop. Pressure plate. Et une pierre. Voilà. Donc déjà, pour commencer, je vais vous montrer le premier truc qu'on va cuisiner. Les durians, ils sont là. Hop. Ah bah attendez, il y a ces belles-là. Hop. Et je vais vous montrer à quoi ça sert de cuisiner un peu. Hop, on va faire ça là. Donc, saucepan, on va la laisser là. Juicer, hop. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Attendez, hop. Non? Alors, attendez. Comment ça, on craft ça? Oh là là. Il faut du sucre. J'ai pas de sucre. Ah! Bon, c'est pas grave, on va crafter un pot. Allez. Tac-tac. On va faire différents trucs. 1, 2, 3, 4. Hop. Et hop. Donc ça et ça, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on crafte d'autre? Bakeware. Alors, ah bah c'est encore un truc en briques. Bon bah il va nous falloir plus de briques.
Hop, donc je prends cette argile-là. Deux, hop. Hop, on va mettre ça à cuire aussi. Ouais, je suis pressé qu'il répare le mode quand même parce que c'est un peu chiant de devoir cuire les trucs comme ça. Hop, voilà. Et en vrai, s'il faudrait qu'on s'attaque à la ferme à graines, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que ça va être très compliqué. Sans tuto ni rien. Alors attendez, c'est Industrial Foregoing. Rubber? Non. C'est pas ça. Tiny. Alors, c'est ça. Recette, latex processing unit. Ok. Donc, attendez. Latex. Non, ça ne met que ça. En fait, je me rappelle qu'il y a une machine dans Industrial Foregoing qui permet d'extraire de la sève d'arbre, si je dis pas de bêtises. Bon, on va crafter ça. Écoutez. On va crafter ça. Donc, il nous faut deux fours. Deux fours wifer, un redstone. Deux fours wifer, un redstone. Deux fours wifer, un redstone. J'ai passé. Hop. On fait un four. Un deuxième. Quoi? Bon. Ah! Je panique. Wifer, hop. Vite. Hop, hop, avant que ça parte de mon cerveau. Un redstone, ok. Deux fours, huit fers, un redstone. Donc il me manque. Oui. On va faire ça. Hop, 1, 2, 3, 4. Hop. Hop, pendant ce temps, on va aller chercher de quoi faire. Comment ça s'appelle? De quoi faire le deuxième four, de la cobble, donc on va chercher. Hop. Ça creuse. Ça a déjà fini de creuser? Non. Non. Déjà? Attendez. Ça bouge plus là. Oh! Ça a déjà fini de creuser? Dément? Bon, bah tant mieux. Hein. Tant mieux, tant mieux. Enfin, c'est moi je le déplacerai en off. D'accord. Bon, on était venu chercher de la pierre à la base. Tac. Hop, on va trier les coffres pour voir ce qu'on a récolté quand même. On a récolté 2-3 trucs intéressants, d'accord, ok. Non mais je ne pensais pas que ce serait si efficace. Ce trou-là, d'ailleurs, je le ferai que de 4 chunks. Parce que après, ça va faire un trop gros trou. Ce sera pas très beau. On verra ce qu'on y fera, d'ailleurs. Remarque, je pourrais le faire de 9 chunks. Ouah, on verra, on verra. Pour l'instant, on a suffisamment de ressources. C'est pas vraiment nécessaire d'alimenter autant cette quarry. On va en profiter, d'ailleurs, de passer par là pour faire ça. Hop, hop. Ah, j'ai oublié un bout de pastèque. Vous allez voir à quel point c'est trop bien. Regardez, hop. Là. Tac, tac. Et c'est bon. Hop. Ok. Redstone. Un deuxième four. Tac et tac. Donc. Comment ça s'appelait le truc? C'est latex. Ah, attendez, latex bucket. Comment on fait du latex? Trifluid extractor, c'est ça qu'il nous faut. Ok. Il me faut de la stone list, il me faut un iron gear. Ok. On va déjà crafter ça. On va déjà crafter ça. Là, c'est bon, il y a assez. Hop. On va mettre les 4 roues de fer parce qu'il nous en va falloir d'autres, du coup, des trucs comme ça. Donc. Extractor. Il me semble. Alors attendez. Hop. Donc, voyons voir.
3 millibuckets per tick. Regarde les différentes possibilités. Ok, donc le mieux c'est l'acacia. L'acacia donne le plus de millibuckets per tick. Et le plus de latex en fait. Donc il va falloir. Ouais. Ok. Donc ça se craft. Un en bas. Four, redstone. Ok. Tac, tac et tac. Et là, s'il ne dit pas de bêtises, si je fais ceci, voilà, ça s'accumule. Parfait, ok. Ok. Est-ce que c'est compatible avec les pipes de Buildcraft? Est-ce que j'ai pas de cactus? Si, j'ai du cactus. Je sais pas. On va aller voir. Parce qu'en fait, je vous explique, le cactus va être un élément essentiel. J'ai pas de cactus. Enfin, si, j'ai du cactus, mais j'en ai pas beaucoup. Va être un élément essentiel, en fait, pour la suite des choses. Il va me falloir. En off, je pense que je ferai aussi une ferme à cactus automatisée. Vu que c'est un truc qui se fait sans mode. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Et au pire, je vous expliquerai comment ça se fait. C'est très simple. Vraiment, c'est très 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 simple. Donc j'aurais pas à vous montrer directement. Alors, on va faire ça où? Ah, c'est. Là, il y a plein de trucs à faire. Va falloir en fait que je commence à terraformer, je pense. On va faire un là. Ah non, pas ici. C'est pas possible. Ah, je pourrais faire. Il y a un truc qui m'inquiète. Vous voyez tous ces champignons et ce mycélium? Je sais pas d'où ils viennent. Je sais pas du tout d'où ils viennent. Et ça m'inquiète un peu. Parce que c'est chelou. C'est très chelou. J'ai des blocs qui ont été convertis en mycélium et je me dis, si ça va sur ma base, est-ce que c'est grave? Voilà, je sais pas trop. Du coup, là, on a un trifluid extractor. Donc ensuite, il nous faut un latex processing unit. Donc il nous faut deux fours, un rouage en bas, machine frame déjà, tin gear. Il nous faut 4 tin. Ouh, j'ai le cerveau en surchauffe. 4 tin. 1, 2, 3, 4. Hop. Et on va mettre ça là. On va faire ça. Donc, il faut 4 verres et 4 fers. 4 verres et 4 fers. Avec. Ouais. 4 verres, 4 fers, 4 verres, 4 verres. Hop, on va prendre ça. Et on va prendre ceci. Bon, là, je prends plus exactement ce qu'il faut parce que de toute façon, ça fait jamais de mal d'avoir un peu en rade. C'est bon, ça finit de fondre. Oui, hop. Allez, allez, allez. Et hop là, ok. Donc, ça, je mets au milieu. Ensuite, ok. Au milieu, ça dans les coins, enfin dans les côtés, et ça dans les coins. Ok, j'ai une base de machine. Ensuite, les fours. Hop. Ah. Les fours sur les côtés. Donc il faut deux fours. Hop, hop, hop. Ensuite, au milieu, ça, ça. Hop. En dessous, ça. Et dans les coins, tout ça. Parfait. Bon. Est-ce que je peux les mettre côte à côte et ça marche? Ou pas? Rectangle, fluid container. Non, ça marche pas. Bon, si je fais ça. Et ensuite je fais ça.
Ok, ça marche. Tu peux faire? Non? Hop. Clac et... Ah mince! Il va falloir alimenter tout ça en courant. Il va falloir alimenter tout ça en courant. Bon alors attendez, déjà. Déjà. Je vais reposer trois trucs comme ça. J'en gardais un. Et du coup, il nous faut un convertisseur qui va convertir en RF. Donc. Il faut que je regarde quel truc j'avais pris ici. Hop. J'avais pris quoi ici? C'était du medium voltage energy consumer. Ok, donc medium voltage. Donc il nous faut un medium voltage energy consumer. Ah oui, mais quelle énergie ça prend? Industrial foregoing. Une bonne question ça. On va regarder. On va regarder. Donc, medium voltage energy consumer. Energy consumer. Medium voltage, c'est lui. Produceur, ok. Il nous faut donc 8 plus 3, 11. 12, même, il y a celui-ci. 12 styles. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop. Il nous faut 12 aciers. Je vais prendre un peu de marge. Hop. Donc ça, l'avantage, c'est que c'est pas une recette de vanilla. Donc on peut directement faire ça. Allez. Hop, on se fait une boîte. Qu'est-ce qu'il me faut? Ah oui, non, j'ai pas pris le bon truc. Hop. Il nous faut deux trucs comme ça. Hop. Hop. Voilà. Producteur. Hop, consumer. Et là, je peux le retransformer si je veux. Donc là, c'est consumer. Oh, il y a une full moon. Qu'est-ce que je m'en fous? Energy Bridge. Ensuite, comment ça se craft ça au fait? Under Pearl. Ok. 4 fer et 4 barreaux en fer. Ah bah, hop. Une Under Pearl, il me faut. Enfin, une under, un Under Eye plutôt. Nickel. Hop. Donc, on met au milieu. Ça sur les côtés. Comme ça. Ok, on a l'énergie pour ici. Donc maintenant, il nous faut du. Enfin, il nous faut un producteur. Producteur. Il nous faut du FE producteur. Hop. Ouh, c'est chiant. Ouh, c'est chiant. Ok. Ok. Donc, il me faut plus de fer déjà. Clac, clac, clac. Il nous faut une grille. Je prends. La grille, on la met en bas. On met dans les coins. Et on met en bas. Ensuite, un fer au-dessus, un or à droite. Un fer au-dessus. Un or à droite. Il nous faut un four. Je sais plus où il se met le four, mais c'est pas très grave, on va voir. Ok, et un bloc de redstone. Hop, et hop. Bon, parfait. Parfait. Il fait nuit, donc on va aller se coucher. Ça aurait été un épisode occupé, hein. Comme vous pouvez le constater, on fait beaucoup de choses. Hop. Donc. Le zombard, tu dégages. C'est quoi ces particules rouges qu'il y avait autour de lui? C'est chelou. Donc,
produceur. On va le mettre là. Ensuite, on met le bridge. On va le mettre là. Ensuite, on met le consumer. Et ensuite, on met... Merde. hop. Et reviens, toi. Et ensuite, on met ça là. Là, normalement, voilà. Donc, il va nous faire... Ah, faut mettre de l'eau aussi. Bah tiens. J'automatiserai ça en off. Hein, parce que là c'est un peu un enfer. Je vous ferai je vous montrerai comment ça marche. Ah mais non mais je suis con. Ah mince. J'ai fait un trou dans mon eau. Je suis con parce que en fait, je viens de me rappeler d'un truc. Ce qu'utilise ce mode, c'est des fluiducts. Donc des trucs à fluide, des ducts. Je sais, tu sais ce que ça veut dire, mais j'ai oublié comment le traduire. En gros, ça transporte les fluides, tout simplement. Hop, hop, voilà. Et donc là, ok, il me craft. Oh, ah ouais, il lui faut masse d'eau. Hein. Bon, ce qu'on va faire pour l'instant, temporairement, solution temporaire. Hop. Je sais même plus ce que je voulais faire avec les machines que je suis en train de créer. Je voulais faire du plastique. Mais pourquoi faire? Ah oui, pour faire un plant sower. C'est ça. Alors, solution temporaire, solution temporaire. Hop. On met ça là. Et on met ça. Voilà, hop, 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 hop. Alors, putain, mais ça consomme un max d'eau. Allez, produisons plus. Il m'en faut 18, si je dis pas de bêtises. 18, c'est bon. Ok, donc ensuite, avec ça, crafting, ça me fait... Attendez. Ok, oui, c'est bon. Hop. Voilà. Donc, on fait ceci. Ça nous fait du dry rubber qu'on fait cuire. Bon, il n'y a pas que les recettes de vanille qui marchent pas. Hop. Je vais en profiter pour faire quatre autres trucs. Ah bah je vais faire du verre, remarque. Là ça va faire que 2 dry rubber. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, j'ai dit 8. Ok. Donc ça c'est bon. Ça on voulait aussi crafter un truc avec. Hop. Hop. Je vais vite fait faire un peu le ménage dans mon inventaire. Je vais mettre les trucs là. Hop, 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 hop. Voilà. Je vais mettre... Ah oui, c'est organisé bizarrement. Hop. Hop, ça voilà, je mets là. Ok, donc ensuite. Tower. Non, merde. J'ai dit. Il me faut. Non, ça se craft comment? Ok. 4 barreaux, 4 fers. J'ai des fers? Oui, j'ai 4 barreaux, j'ai 4 fers. Il me faut juste la poussière bizarre là. Elle est là. Hop. Ensuite. Ah ben c'est le contraire. Hop, ok. Ça se met au milieu. Faut deux pistons, deux iron gear, un clay pot. Hop. On aura beaucoup bossé, hein. Vraiment. Deux pistons, deux iron gear. Il nous faut du bois.
Du bois, je vais prendre lui. Hop. Hop. Ok. Donc, ça se met sur les côtés. Ça se met là. Ça se met au sommet. Ça se met au milieu. Il nous faut une redstone. On va mettre au milieu en bas. Et ensuite, il nous faut des silver gear. Ok. Ah bah on a déjà. Hop. Et ensuite, une fois qu'on aura fait le plan de Sower, on coupera l'épisode parce que ça fait déjà 40 minutes. Eh oui. Ouh, on aura fait plein de trucs. Et pendant qu'on a fait ça, notre casque s'est bien rechargé. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, bien sûr, on pourra faire un Ultimate Hybrid Solar Helmet. Mais pour ça, il nous faut des trucs comme ça. Et je sais pas comment ça se craft. Et quand j'appuie sur R, eh ben, il me dit pas comment ça se craft. Mais visiblement, il faut un plasma fieur. Donc, pas. Et il faut un four induction pour faire le plasma fieur. Il faut des iridium stone. C'est très chiant. C'est très chiant. Donc, on fera pas ça tout de suite. Voilà. C'est bon, j'ai fait le lingot. Manger un coup aussi. Parce que force de courir dans tous les sens, ça me diminue mon énergie. Oh là là! Qu'est-ce que c'était mouvementé? Allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez! Merci! Allez, zou! Là, j'ai plein de trucs à faire en off. Hein. Hop! Plant Sower. Voilà! Donc, le Plant Sower, en fait, c'est un objet qui permet de récolter, tout simplement. Et vous savez quoi? On va étendre un peu l'épisode parce que je vais vous montrer à quoi ça sert. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Et pour ça, il me faut une. Non! Ah! Je ne vais pas le désactiver, je voulais l'activer. Une canne à sucre. Alors, là, on a vu où il est tombé. Donc, on va aller voir, vite fait. Ça me fait un peu chier parce que c'était pas prévu. Ah, bah attendez, il est là. Attendez, hop. Ouais, il est là. Hein. Il est tombé là, le météore. Et là, il y a un truc aussi. Ah, en fait, il tombe dans l'eau depuis tout à l'heure, les météores. Enfin, depuis le début de la partie. Ouais, il y a des météores un peu partout. Bon, très bien. C'est long de rentrer. Ah oui, j'ai aplati cette île aussi. Parce que je pensais que c'était ici que j'allais faire la machine. Qui va me permettre de faire des plant balls à l'infini. Mais on fera ça dans un autre épisode parce que il va nous falloir il va falloir du temps. Donc voilà. Ah oh là là. Donc. Comment je peux faire ce coup-là? Donc bon là je fais ça à la zob, hein, je suis désolé. Je fais ça à la zob, mais en gros, Plant Sower, pas de je le mets comme ça. Je mets un sable ici. Là, il me faut de la pierre pour faire un petit réservoir. Ah mince, il a fini! Il a consommé le bloc d'arbre. Vous voyez, au bout d'un moment, il finit par consommer le bloc. Du coup. Alors attendez. Normalement, si je dis pas de bêtises. Voilà. Il dit pas de bêtises. Je peux en replacer un directement après. Oui, c'est bon, ça marche. Donc pour l'instant, on va marcher comme ça pour l'instant. C'est une solution très temporaire, très zob, mais c'est pas grave. Ensuite. Ensuite. Hop, 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 hop. On met.
Hop, un seau d'eau. Ici. Ensuite, on met ça là. Et le plant sower. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Dès que la plante dépassera ce niveau, eh ben ça sera automatiquement récolté. Voilà. Donc en gros, là je vous ai montré un peu toute la technologie qu'on allait bientôt utiliser. Enfin, qu'on a commencé à utiliser même avec tout ça. On a encore beaucoup de choses à faire pour automatiser tout ça. Par exemple, ce truc-là, il faudra l'automatiser. Ça aussi, enfin, il y a du chemin, hein. Il y a du chemin à faire, clairement. Mais vous inquiétez pas, on va procéder par étapes. Hop, hop. Oui, enfin, remarque, là, je refais du plastique, mais pour l'instant, on s'en fout du plastique. C'est pas notre but. Enfin, si, remarque, il nous faudra plusieurs plants sower. Donc, je vais produire du plastique probablement en off. J'ai plein de trucs à faire en off, comme ça. Je pourrais vous montrer les nouvelles choses intéressantes dès qu'elles seront faites. Voilà, du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je me suis éclaté, même si c'était lourd en information. Du coup, je vous souhaite une excellente journée. Et on va attendre que je me réveille pour que je vous dise au revoir quand même, parce que sinon, c'est pas très poli. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!